Minasan, aujourd'hui je vais vous parler de Ryosei no Kizuna. Ryosei no Kizuna est un drama japonais de 10 épisodes réalisé par Ishii Yasaharu et Kaneko Fuminori, ainsi que scénarisé par Kudo Kankuro, bien qu'inspiré du roman de Higashino Keigo, aussi auteur de Byakuyaku, dont le drama est tout aussi bon. Ryosei no Kizuna raconte l'histoire de trois orphelins dont les parents ont été assassinés il y a longtemps. Ils se font la promesse de venger leurs parents. Et c'est quelques années après, alors que la police est sur le point de classer l'affaire, n'ayant aucune piste, que les Ariake trouvent le meurtrier et découvrent qu'ils connaissent son fils. Les acteurs font beaucoup et permettent à ce que l'histoire soit égayée. Les trois frères et sœurs Ariake sont interprétés par Niyomiya Kazunari pour Koichi, Toda Erika pour Chizuna et Nishikido Ryo pour Taisuke. J'ai trouvé ce drama vraiment intéressant. Le thème de la vengeance est très bien utilisé et l'histoire bien conclue. J'espère que certains pourront me donner leur avis dessus en commentaire. Sur ce, sayonara!